Bonjour tout le monde, bienvenue nous Eli. C'est un plaisir pour nous retrouver où. Dans les salons, nous venons parler de ça, nous avons les mauvais vents, mauvais temps tout d'un coup. À la vérité, sans avertissement, qui visitait nous en Floride, particulièrement bon la caille nous, c'est tête chargée. Ça n'a pas gardé nous là ces dégâts. Près de 20 cailles écrasées, pieds bois tombés sous eux, des monde qui blessé. Mais à la vérité, c'est vraiment pas surprise. Et journée qui t'a commencé par exemple hier soir et en fait depuis samedi qui ont sonné ensoleillé, et bien elle était terminée par coup de l'oreille un peu partout, vraiment qui fait différents dégâts un peu partout. C'est quand même triste, en pile monde perdit ça yo t'est possédé. Yo dit en prévision t'as supposé gagner coup de l'oreille pendant ma parole avec nous là que beaucoup ouais. Et Federal Forecast à Miami dit que yo fait prévision pour tornado un peu partout. Et maintenant ça pour nous comprendre, c'est vraiment ça a affecté en pile monde. Et nous gain vidéo là côté que communauté haïtienne a été manqué victime et tant on a avion, il était supposé aller descendre fort là dedans et elle a tellement raid dans l'air. Moun yo obligé faire route cochi pour y aller et yo obligé faire route cochi pour y al atterri Miami. Dégâts t'est arrivé, moun yo vraiment qui t'a prié du fait que t'es arrivé atterri. On font garder pendant un petit moment. C'est vraiment difficile parce que pas de atterri. C'est effectivement à la tête du et il y a pas de carte vraiment vrai. Nous on a des deux, nous nous capons merci mon Dieu là. Il sauve. Nous nous prions en pile là parce qu'il était vraiment mort. Ok guys, c'est en fait vous ka comprendre ça veut dire là dans avion ou dans des odou. Yo pa gen contrôle et on l'a yo pa gen contrôle. Mouri là. Ou pa ka sauver, ou pa ka dou ap jete corps. Comment ça l'oi? C'est quand même terrible. Mais c'est justement gens que pas vraiment gon prévision tout dégâts ça fait là. Vous comprenez? So, et il faut nous dans moment que n'a parlé là, non seulement impact que gen tout c'est que et particulièrement dans et Miami International Airport. Et en pile moun la obligé rete, ça veut dire en pile foule parce que presque tout vol yo cancel yo, donc qui vient porter bon moun obligé à dormir bon ça ka gen kòp pou al nan hôtel puisque effectivement tant est vraiment mauvais, li pa permettre et avion te capable voler normalement. Donc et très certainement moi gen moun mwen ki te nan fly ça. Donc moun sa yo kapab di yo viv yon moment assez difficile. Et maintenant yo fè konnen et causer l'orage mauvais temps ça tout. Li ayisyen un peu partout. Yo parle de nan Alabama te gen mauvais temps ça tout. Donc voilà donc nous te vle partager là avec vous. Attendre en fait ou même qui gagne monde qui pourrait entrer là, attendre que s'il était pour entrer dimanche ou bien lundi, il y a pas obligé de planifier monde ça ou gagne doit pas venir. M'a parlé surtout monde qui était gagne pour descendre International Airport de Miami ou bien dans Fort Lauderdale. Mauvais temps vraiment fait que et avion yo pas de ca voler normalement et donc nous te vle et justement et partager info ça yo avec ou même. Donc voilà guys, et c'était un véritable plaisir
Et j'aime toujours dire, vous avez toujours été connecté avec nous. Et dernière information, nous toujours à partager au bon site là. Bye bye tout le monde.